tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour comment gagner un maximum d'FPS sur Escape from Tarkov pour avoir un rendu qualitatif. Donc c'est très simple, vous allez voir. Donc déjà vous êtes sur votre bureau, voilà. Vous cliquez, clic droit, panneau de configuration Nvidia. Et vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez dans gérer les paramètres 3D. Vous attendez, très bien, voilà. Vous cliquez sur paramètres de programme. Ça va le faire. Vous allez cliquer sur ajouter, si c'est la première fois que vous le faites. Donc là, vous allez avoir plein de trucs. Et là, vous avez Escape from Tarkov Exe. Si c'est pas le cas, vous faites ajouter le programme sélectionné. Ah, c'est pas ça. Si c'est pas le cas, vous faites parcourir, pardon. Et là, vous allez chercher votre jeu. Donc moi, il est là. Tac, tac, Escape from Tarkov. Voilà. Donc après, il va s'ajouter. Ça peut être un peu plus lent, parce que c'est la première fois, ça se met un peu de temps. Donc, là, on va voir tous les points rapidement sur les sur ce qu'il faut changer ou pas. Et si jamais vous n'avez pas, vous pouvez remettre la vidéo en replay et vous allez prendre votre temps. Donc, anti-crénelage FXAA, désactivé. Anti-crénelage en correction gamma, désactivé. Anti-crénelage mode, vous mettez contrôlé par l'application. Anti-crénelage transparence, vous mettez désactivé. CUD, processeur graphique, vous mettez tous. Cache de désombrage, vous mettez activé. Filtrage anisotrope, donc contrôlé par l'application. Distorsion LOD négative. Filtrage texture, autorisé. Filtrage texture, optimisation d'échantillon, vous mettez désactivé. Filtrage de texture qualité, donc bien sûr haute performance. Ça c'est plus important aussi. Filtrage de texture, optimisation trilinéaire, désactivé bien sûr. Fréquence de rafraîchissement préférée, vous mettez contrôlé par l'application. Mode de gestion d'alimentation, très important aussi, vous mettez privilégié les performances maximales. Multiframe sampled AAMFAA, donc désactivé. Optimisation 3D, désactivé. Hein. Processeur graphique du rendu OpenGL, vous mettez en auto-sélection, mais bon, si vous mettez 1070, c'est pareil, ça dépend si vous avez plusieurs cartes graphiques en fait. Synchronisation verticale, désactivé. Trame pré-rendu de réalité virtuelle, vous mettez 1. Trame pré-rendu au maximum, vous mettez utiliser paramètres d'application. Triple mise en mémoire tampon, vous mettez désactivé. Voilà, donc prenez votre temps, faites tout ça bien. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. On va passer directement à ceux qui ont reshade. Donc voilà, ceux qui ont reshade et que vous avez des petits problèmes d'FPS, je vous conseille de l'enlever parce que ça bouffe entre 10 et 20 d'FPS selon les ordinateurs. Et si vous dites ouais, mais si je l'enlève, je vais avoir un manque des couleurs et tout, c'est pas très joli, j'ai une solution alternative. Donc vous cliquez, vous restez sur le panneau de configuration Nvidia, d'accord? Vous cliquez sur régler les paramètres de couleur de bureau. Tac. Et là, écoutez bien. Vous cliquez sur utiliser les paramètres de Nvidia, bien sûr. Luminosité 65. Donc en fait, ça va. Donc sur votre ordinateur, ça va vous mettre un peu plus de lumière. Mais vous voyez que c'est pas très. Ça va, c'est pas non plus flagrant. Mais dans le jeu, sur Escape from Tarkov, vous allez avoir un plus en fait. Il y aura moins de zones sombres. Vous verrez s'il y a une silhouette dans le sombre, vous allez la voir. Et ça, c'est super intéressant. Contraste 50%. Gamma, vous mettez 1. Et celle, c'est plus important. Dans le numéro 3, je choisis les améliorations suivantes. Éclat numérique, regardez. Si je mets 0, je suis en noir et blanc. Si je mets 100, je suis en fluo, carrément du fluo. Donc je vous propose de mettre 66. Après, c'est à vous de juger, hein. Ça dépend des écrans, ça dépend de plein de choses. Voilà. Et la teinte, vous la laissez à 0%. Voilà. Donc dans votre jeu, vous allez avoir un peu plus de couleurs. Vous voyez, je vais peut-être même mettre 68, un peu plus. Voilà, c'est pas énorme. Vous allez avoir plus de couleurs dans le jeu, et comme ça, vous n'avez pas besoin de reshade. Si vous l'avez installé pour les couleurs, voici l'alternative et vous allez gagner beaucoup d'FPS. Ensuite, on va lancer le jeu. Tac. Oui, moi je mets un petit raccourci sur Steam parce que j'aime bien être connecté avec tous mes potes. Ah non, avant le jeu, on va télécharger Memory Cleaner. Le lien est dans la description, c'est un petit logiciel qui permet de nettoyer la mémoire. Donc vous l'installez, vous cliquez, vous allez tomber sur ce menu là. Vous allez dans Options. Trim, process, working, set, when, usage, etc. 80% machin. Voilà, donc les deux premiers vous cochez. Et si vous voulez que ça nettoie tout seul toutes les 5 minutes, vous cochez le troisième aussi. Le quatrième, c'est pas vraiment. Je le déconseille. Le troisième. Moi, je laisse comme ça parce que pour l'instant, ça va très bien.
Ensuite, vous cliquez sur Memory. Et avant de lancer le jeu, vous faites Stream Process Working Set. Vous voyez, il va manger la mémoire. Vous allez avoir plus de RAM. Et Clear System Cache. Tout simplement. Voilà. Donc vous retrouvez le lien dans la description. Il n'y a pas de souci. C'est un tout petit logiciel. Il est vraiment super. Vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Et donc là, maintenant, on va lancer le jeu. Et là, on va voir les settings, les setups in-game. Et là, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont assez paradoxales par rapport au titre de la vidéo. Mais pour moi, personnellement, ça a marché en fait. Par rapport à certaines options, le jeu marchera beaucoup mieux si vous mettez des options en high qu'en low. C'est bête, c'est contradictoire, mais ça marche. Enfin, vraiment. Alors, on attend que ça charge. Vous pouvez faire un petit café en attendant. Café expresso. Très rapide. Tac. Voilà, on y est. Donc, setting. Graphics. Alors, donc là, screen résolution, donc bien sûr vous mettez le maximum. Là, 16 neuvième, vous touchez pas. Vous mettez en full screen. La V5, vous désactivez. L'overall, ça on touche pas. Texture qualité, vous mettez en high. Shadow qualité, medium. Object load qualité, vous mettez en 2. Overall visibility, donc ça c'est le champ de vision, vous mettez en 1500. Vous pouvez monter à 2000. Moi j'essaie de voir un peu, mais bon, des fois je fais 2000, 1500, ça dépend. Shadow Visibility, 40. Et c'est là que c'est important, contrairement à d'autres tutoriels. SSAO, faut mettre en High. Contact SSAO en High. SSR en High. Anisotropic Filtering Off. Anti-aliasing FXAA, ça c'est obligatoire, parce que sinon votre jeu va être dégueulasse. Sharpness, 14, maximum. Lobby FPS Limit, maximum 60. Game FPS Limit, maximum 120. Le Z-Blur, le Chrome Aberration et le Noise. Vous désactivez, ça pue le cancer, c'est dégueulasse. Voilà, donc après vous avez fait tout ça, bien sûr, vous sauvegardez, et là vous allez avoir un jeu un peu plus fluide dans le menu, c'est vachement plus cool. Moi, avant la patch 0.10, j'étais à 80 FPS, sans logiciel Action Meridis. Maintenant, je suis à 120 quand ça se passe bien, sauf sur Shoreline, hein, pour les connaisseurs vont savoir pourquoi. Donc voilà, si vous avez d'autres suggestions, je vous laisse un petit commentaire sur la chaîne, sur la vidéo, pardon. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, un grand soutien pour moi. Et partagez autour de vous. Vive Escape from Tarkov. N'oubliez pas qu'il y a un wipe dans 3 semaines, à l'heure où je fais la vidéo. Ouais, il y aura la version 0.12 qui va sortir. C'est sorti de nulle part. Je vous laisse, à une très prochaine. Ciao, banzai!